Sur les marches de l'Opéra Bastille, un spectacle improvisé. Les musiciens de l'Opéra de Paris ont manifesté à leur manière contre la réforme des retraites. L'Opéra dans la rue ! Faust de Berlioz ou encore la danse des chevaliers de Prokofiev, des morceaux célèbres du répertoire classique, pour se faire entendre. La semaine dernière, le jour de Noël, les danseuses de l'opéra, elles aussi, ont transformé le parvis de l'Opéra Garnier en scène de mobilisation. Après leur interprétation du Lac des Cygnes, elles avaient été reçues par le gouvernement. Ce dernier leur a proposé que la réforme ne concerne que les artistes recrutés à partir de 2022, un compromis que les danseurs ont refusé. Les musiciens, eux, refusent d'entrer dans une parodie de négociation et s'insurgent contre le passage en force du gouvernement. Depuis le début de la grève, l'opéra a dû annuler plus de 40 concerts, soit une perte de 8 millions d'euros.